comment démultiplier votre force de vente sans avoir besoin d'investir des budgets importants dans le recrutement, dans les ressources humaines, en recrutant des collaborateurs, si vous n'avez pas encore ce budget-là, et que pourtant vous avez besoin de développer et démultiplier votre force de vente pour vendre plus vos produits ou vos services dans le business du conseil, du coaching, du consulting ou de la transformation, c'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager un conseil très simple à pouvoir appliquer dans votre business, dans votre entreprise, pour pouvoir démultiplier votre force de vente et d'être capable de vendre davantage de vos produits ou services, même si vous n'avez pas encore le budget pour grandir, faire grandir votre équipe, de recruter des forces de vente pour vous épauler dans vos activités au quotidien. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. Je vous partage beaucoup de stratégies, différents conseils et partages pour ne pas manquer les prochains partages que je publierai dans les prochains jours. Je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge qui est juste ici, s'abonner, et ensuite de recliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des différents partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous êtes en affaires dans le business ou sur le point de vous lancer dans le business de la transformation, de la formation, dans les conférences, dans le coaching, dans le consulting, dans le conseil, vous savez déjà que si vous voulez faire grandir votre activité, si vous voulez vendre davantage, vous avez besoin de démultiplier votre force de vente. Soit vous augmentez vos compétences à vendre si vous êtes doué dans la vente, ou alors encore mieux, je l'ai partagé d'ailleurs dans une autre vidéo, vous augmentez vos compétences en marketing pour pouvoir sensibiliser davantage de personnes qui viendront vers votre entreprise, qui seront attirées par vos produits ou vos services. Mais vous savez que même si vous faites ça, vous pouvez démultiplier aussi vos heures, le nombre d'heures, si vous investissez plus d'heures dans la journée pour rencontrer plus de clients, les servir davantage. Même si vous êtes à ce niveau-là et que vous performez vraiment très bien, vous savez déjà que vous serez limité. Et c'est peut-être déjà le cas maintenant, vous voulez vendre plus, mais vous ne savez pas être à tous les endroits en même temps. Et vous vous dites, comment faire pour démultiplier ma force de vente? C'est peut-être parce qu'aujourd'hui, vous vendez encore votre temps contre de l'argent et peut-être que vous êtes ici en prestation de service et que vous partagez ici un échange de vos quelques montants des honoraires qui sont peut-être déjà très élevés. Mais vous vous demandez comment faire pour aller à l'étape d'après, à l'étape suivante. Que vous soyez dans le coaching, que vous soyez dans le business du consulting, que vous soyez thérapeute en profession libérale, que vous soyez avocat, que vous soyez dentiste, que vous soyez médecin en profession libérale, quel que soit le type d'activité, quel que soit le revenu que vous avez aujourd'hui, si vous sentez cette limite, ce blocage, c'est parce que vous savez que vous avez besoin de démultiplier votre force de vente. Et on peut utiliser d'autres mots, force de vente ou force simplement d'activité, d'être capable de faire plus d'activité. Et voici l'astuce. Si maintenant vous vous dites, j'en suis là, je dois recruter, je n'ai pas le budget pour recruter, comment faire pour voir plus de monde, servir plus de clients et de patients? Voici la stratégie qu'on utilise avec brio et qu'on recommande à nos différents clients qu'on aide dans nos entreprises de conseil et de transformation. C'est d'utiliser la puissance des outils. Vous avez la possibilité de reposer votre business, en tout cas en partie, sur la puissance de l'être humain, en recrutant du personnel, en faisant des activités qui nécessitent un certain travail ou certaines compétences. Et puis, vous avez la possibilité d'utiliser des outils, des leviers puissants. C'est la force des leviers. Un levier vous permet de faire quelque chose, d'aller plus rapidement en utilisant simplement un effet multiplicateur. Et lorsqu'on utilise la puissance d'Internet, on peut bien évidemment utiliser des leviers très puissants pour nous aider à filtrer, à convertir, à discuter, à échanger son message avec le plus de clients possible. Et par exemple, si vous avez aujourd'hui des phrases que vous répétez systématiquement dans votre entreprise, si vous avez un message que vous faites toujours passer à chaque fois qu'on vous demande comment ça fonctionne chez vous, dans votre entreprise, comment fonctionnent vos produits ou vos services, comment fonctionne la transformation que vous faites, s'il y a systématiquement des choses que vous répétez à longueur de journée à vos clients pour pouvoir leur donner envie de venir vers vous jusqu'à un tel point, eh bien, aujourd'hui, si vous le faites encore manuellement, si vous le faites encore individuellement, vous n'êtes pas encore à votre plein potentiel. Et l'idée, elle est là, c'est d'utiliser une plateforme internet, d'enregistrer un message vidéo, par exemple, qui fera le travail pour vous en amont, qui démultipliera votre force de vente, puisque vous pourrez comme ça parler matin, midi et soir en faisant par exemple une présentation en ligne, une webconférence ou en faisant une présentation vidéo, une vidéo de sensibilisation, comme on appelle, qui permet de répéter le message que vous répétez habituellement lorsqu'on vous pose des questions sur votre entreprise, sur la solution que votre entreprise apporte, la transformation pour vos futurs clients. Et lorsque vous prenez conscience de ça, vous êtes capable de créer une pièce de contenu très puissante qui vous permet
de communiquer avec vos futurs clients, les clients potentiels, ceux qui viennent vers votre entreprise matin, midi et soir. Même pendant que vous dormez physiquement, cette communication continue à être effectuée. Parce qu'il y a des personnes dans différents fuseaux horaires, peut-être qui ont besoin de vos services. Pendant que vous êtes couché, ils sont éveillés, ils sont réveillés, ils suivent votre présentation. Ils sont sensibilisés et ils veulent ensuite aller à l'étape suivante. Et là, évidemment, il faut avoir un processus pour pouvoir les contacter, pour pouvoir échanger avec eux. Mais vous comprenez cette grande idée, c'est de se dire, au lieu de tout faire moi-même, au lieu de reposer uniquement sur la force physique avec toute la motivation que vous avez sans doute, ou alors au lieu d'investir tout dans les ressources humaines dans un premier temps, si votre budget est encore limité, vous pouvez comme ça vous reposer, appuyer, vous faire épauler par les outils les puissants. Et il en existe de nombreux outils qui vous aident à avancer de façon puissante. Et là, je vous ai parlé d'une pièce de contenu qui est très puissante et qu'on utilise tous les jours dans nos entreprises de conseil et qu'on aide nos clients à installer, à proposer ici pour aller beaucoup plus rapidement à l'essentiel. Et ensuite, vous verrez que lorsque les personnes viendront vers vous, elles auront déjà une certaine attente, elles auront déjà certaines informations, elles auront déjà certains éléments que vous aurez passés au travers de votre contenu. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que en plus, vous allez faire votre meilleure présentation puisque vous aurez le temps de l'améliorer, de la travailler, de la traiter. Donc, faire en sorte que, comme on dit, on n'a qu'une seule occasion de faire une première bonne impression. Votre première bonne impression avec un client potentiel qui vous découvre à peine sera toujours la plus impactante, sera toujours la meilleure. Et donc, stratégiquement, vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise. Si vous suivez cette vidéo encore en ce moment, c'est parce que vous savez que vous voulez démultiplier vos ventes, votre impact, votre activité. Et que sans cette capacité à se démultiplier, si vous ne pouvez pas vous cloner ou de recruter, c'est compliqué. Et même lorsque vous recrutez, les outils peuvent vraiment travailler, ne tombent jamais malades et développent vraiment une force de vente très puissante. C'est donc l'astuce que je voulais partager avec vous, c'est de pouvoir vous cloner en utilisant les outils, en reposant les outils. Et une bonne façon de faire, c'est en créant une présentation enregistrée qui vous permet de partager vos messages à vos clients potentiels et ensuite de pouvoir discuter avec eux. Ils sont déjà qualifiés, ils sont filtrés et vous pouvez ensuite leur apporter encore plus de valeur. Et vous verrez comme ça que vous réussirez à démultiplier votre force de vente sans avoir besoin d'investir dans les ressources humaines, sans avoir besoin de recruter davantage. Et si vous voulez savoir comment nous faisons en interne pour construire cette pièce de contenu très puissante, ce contenu de sensibilisation très puissant, parce que c'est dans les détails que tout se passe. Il y a une vraie différence, on peut voir comme ça en surface, mais dans les détails, il y a une grande différence. Si vous voulez voir comment nous y prenons, bien j'ai une invitation à vous faire que vous pouvez découvrir gratuitement ici sur le e-com-info. C'est une présentation, une conférence en ligne dans laquelle je vais vous montrer la mécanique, le mécanisme de transformation qu'on utilise en interne chaque jour de notre vie pour pouvoir transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme et de leur apporter de la vraie valeur ajoutée. Vous allez voir comment nous réussissons à démultiplier notre force de vente jour après jour. Et surtout, vous verrez comment c'est à votre portée si vous êtes dans le business de la transformation, vous êtes sur le point de vous lancer, que vous êtes sérieux dans vos affaires et que vous voulez vraiment aider beaucoup de monde et être très généreusement payé pour le faire. Bien, vous avez la possibilité de cliquer sur le i comme info où tout est en bas ici dans la description. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un gros pouce comme ça vers le haut. Ensuite, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le bouton rouge, il est juste là, s'abonner. Vous pouvez également me laisser au bas de cette vidéo un commentaire, me dire ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Et je pourrais même tourner une autre vidéo pour répondre à votre question si je la trouve pertinente et si elle peut vraiment apporter une valeur ajoutée à cette communauté de passionnés de liberté. Voilà, je vous remercie infiniment mes passionnés de liberté d'avoir suivi cette vidéo. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs vœux de succès et de liberté. Je vous dis à très bientôt. C'était Zico Kiax. Merci.